Eva Gréant attaque en justice une société production et réclame une grosse somme d'argent. Alors qu'Eva Gréant devait tourner dans le film de science-fiction Apatriote, la société de production White Lantern a annulé le tournage en 2019. Depuis, l'actrice réclame son cachet $1 million et attaque en justice l'entreprise britannique. Depuis ses débuts en 2003 dans le film de Dream et de Bernardo Bertolucci, Eva Gréant a bien mené sa barque. Devenue actrice incontournable d'Hollywood, la fille de Marlène Jobert peut se targuer d'avoir endossé des rôles prestigieux comme celui de James Bond Girl aux côtés de Daniel Craig dans Casino Royale. Talentueuse et discrète, Eva Gréant est pour autant une comédienne engagée qui n'hésite pas à prendre la parole pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Comme l'écologie ou la guerre en Ukraine. Comme hélas de nombreuses actrices outre-Atlantique. Elle a été victime des dérives d'Hollywood et notamment du producteur Harvey Weinstein qui l'a longtemps harcelée et menacée. Multipliant les films et séries à succès, Proxima, Euphoria, Miss Peregrine et Les Enfants Particuliers. L'actrice sera d'ailleurs bientôt à l'affiche de la série Liaison, aux côtés de Vincent Cassel. Mais un autre projet qui lui tenait particulièrement à cœur ne verra malheureusement jamais le jour. En 2019, Eva Gréant devait en effet tourner dans Apatriote, qui évoque la crise climatique. Un sujet de prédilection pour cette proche de Johnny Depp. Hélas, le tournage de ce film de science-fiction a été annulé par la société qui devait le produire. White Lantern. Depuis, l'actrice réclame le cachet qu'elle devait toucher, à savoir $1 million. Soit environ 918 000 euros. La fille de Marlène Jobert a donc décidé d'attaquer en justice la société de production. Attendue à la barre ce lundi 30 janvier, Eva Gréant est quant à elle accusée par la production d'avoir saboté le projet en formulant des demandes déraisonnables. Les avocats de la partie adverse avancent en effet que la jeune femme de 42 ans aurait exprimé un manque de confiance et un mécontentement envers la production. Et aurait même envoyé des messages dans lesquels elle qualifie un membre de l'équipe de diabolique. De sociopathe sournois et de menteur et de fou. Elle aurait également traité le directeur de production Terribir, de crétin et de trou du cul fini. Les avocats de l'actrice, eux, dénoncent une volonté de la faire passer pour une diva afin de faire les gros titres et de nuire à sa réputation. Affaire à suivre donc.